Nous avons souffert dans ce pays-là. Nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais? Guerriers contre les sudistes? Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mbouchi. L'avenir d'Mbouchi. C'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mbouchi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mbouchi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mbouchi. C'est comme si l'Mbouchi était maltraité, menacé. L'Mbouchi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mbouchi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir d'Mbouchi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord et surtout pas les Mbouchi. Et que après Sasuke fait que c'est les Mbouchi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir des Bakongo, l'avenir des Barangala? Quel serait l'avenir des Bembe, des Dondo, des Kamba, des Minkengi, des Bayari, des Batike, des Bakuni? Quel serait l'avenir des Bouissi, des Batsangi, des Bapounou, des Balumbu? Quel serait l'avenir des Banzebi? C'est quoi l'avenir des Yaka, des Lali, des Mamba? Quel serait l'avenir des Yombe, l'avenir des Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous vous êtes organisé, Davira le dit. Je sais. Vous savez comment? Comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, ce n'est pas l'armée. La façon dont la milice Mbouchi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mbouchi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kunta Mandi, Martin Abdoulal Miskine, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'ai un médecin Mbouchi. Moi, je suis Mouéné. Vous êtes aussi Mouéné. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les sagaies et les rapias. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo, c'est-à-dire que faire que l'ethnie Mbouchi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous vous êtes inquiété, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce grand programme, projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier, un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud, parce que c'est notre unique façon de s'en sortir, un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre. L'unité du Sud est là pour, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah ça, comment, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Et pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? Et c'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, qui... Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah ça, comment, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Et pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? Et c'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, qui... Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah ça, comment, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Et pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? Et c'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, qui... Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Parmi vous sont en train de le suivre directement en ligne par visioconférence, on peut le dire comme ça, et nombreux aussi ont eu le temps de venir dans cette salle, hein, participer, comme d'ailleurs nous avons l'habitude de le faire, à ces conférences en ce qui concerne la situation générale, politique, économique et sociale en Afrique. Comme déjà vous avez vu, certains des amis ont présenté la situation dans leur pays respectif. Et nous allons aussi faire autant en présentant la situation du Congo-Brazzaville, qui est le pays d'où je viens. Mais je crois que pour ceux qui n'étaient pas là la fois dernière, nous avons présenté les opérations Moebara. Hein, en réalité, ce sont des stratagèmes que Sassou Nguesso avait mis en place, bien sûr avec son groupe ethnique, des stratagèmes qui consistent à réaliser ce que nous appelons la diminution à la vitesse grand V des populations au sud du Congo. Hein, c'est une stratégie qu'il a toujours mis dans sa tête, hein, par une forme de haine, hein, on peut le dire comme ça, que ce type a toujours eu envers la population du sud du Congo. Puisque vous le savez, au sud du Congo, la majorité de ces populations sont les descendants de ce que nous appelons le royaume Congo. Et déjà dans les années 1960, 70 ou 1977, hein, déjà quand ce même Sassou Nguesso a assassiné le président Marais Wabi, il y a eu de nombreux assassinats de nos compatriotes du Sud, des cadres civils, politiques et militaires, même des musiciens qui n'avaient rien à voir avec ça. Alors que tout le monde sait que c'est Sassou qui avait décidé de liquider Marais Wabi suite à des contrats pétroliers. Hein, suite à des contrats pétroliers. Donc en réalité, ces gens-là voulaient diriger, hein, éventuellement, enfin, contrôler les finances liées au pétrole. Au pétrole du Congo. Donc, dans la première partie que nous avons expliquée, nous avons parlé de la fameuse correspondance de Sassou Denis, la correspondance qu'il adressait à ce qu'il appelait le comité mixte d'action spéciale. Le comité mixte d'action spéciale. C'est un
un comité qu'il avait mis en place, éventuellement pour bâtir toutes les stratagèmes nécessaires, de pérenniser le pouvoir Mbushi, d'assurer la colonisation au sud du Congo, avec des stratagèmes, des assassinats en masse, le déplacement, on peut simplement dire, ce que nous avons appelé des séries de dépopulation, hein, de dépopulation. Donc il fallait dépopulariser les villes, les villages au sud du Congo. La stratégie de Sassou ici, c'est très clair, il s'agit ici de récupérer toutes les terres des sudistes. Donc les remplacer soit avec des populations qui viennent de la partie nord ou avec des étrangers. C'est-à-dire qu'une population qui sera acquise à Sassou, une population qui représentera éventuellement l'électorat pour Sassou et sa descendance. Donc l'électorat garantissant le pouvoir au nord, le pouvoir Mbossi au sud du Congo, avec des populations qui viennent d'ailleurs. C'est ça la stratégie. Donc, c'était la correspondance qu'il avait rédigée au 7 janvier 2000, hein, correspondance qu'il adressait à ce fameux comité mix d'action spéciale qu'il a mis en place. Dans ce comité, il y avait des recommandations qu'il avait rédigées, des recommandations que nous avons pu encore aller regarder ça sur la première vidéo que nous avons eu à réaliser et la première conférence que nous avons eu à réaliser dans cette salle. Mais ce qui est très important ici, je vais rapidement survoler quelques recommandations. Sur les 10 recommandations, il y avait un point très, très important que nous voulons souligner ici. Et ce point, c'est éventuellement quand il disait poursuivre l'opération Moïbara dans les nouvelles conditions des accords de Pointe-Noire et Brazzaville. Parachever impérativement le dépeuplement de 430 000 personnes prévues dans sa dernière phase, dont l'exécution avait été perturbée par les accords précités. Et ça, c'est ce que Sassou nous disait. Car si les résultats sont très satisfaisants dans le pool, qui est aujourd'hui vidé, hein, ça c'est ce que Sassou disait déjà, nous avons déjà fait cette présentation, qui est aujourd'hui vidé d'environ 3/4 de sa population, hein, il reste cependant très modeste dans les autres régions ciblées. Hein, donc nous allons, dans la présentation d'aujourd'hui, dans la conférence d'aujourd'hui, nous allons présenter donc les autres régions ciblées et comment ils avaient donc, on peut simplement dire, planifié le déploiement. Le peuplement de la population. Donc, éventuellement, les 430 000 hein, personnes qu'ils avaient planifiées enlevées dans leurs zones habituelles, là où ils ont des résidences habituelles. Utiliser pour cette mission unique des hélicoptères de combat et en faire porter la responsabilité de la provocation aux partisans de l'ancien régime. Donc, ça, c'était une recommandation très importante. Maintenant, ce que nous tenons à faire aujourd'hui, c'est éventuellement vous parler comment Sassou et ses généraux militaires, les mercenaires étrangers, les gens qu'ils ont ramenés de l'extérieur, comment ils avaient reparti cette forme de dépeuplement des populations. Alors, donc, rapidement, comme vous le voyez, éventuellement, c'est dans la correspondance toujours que Sassou adressait au comité mixte d'action spéciale. Cette fois-ci, c'était la correspondance numéro 23/99/PR. PR signifie présidence de la République, un truc pareil, /CMAS. Donc CAMAS signifie simplement le comité mixte d'action spéciale. Et je crois que cette correspondance, je vais simplement essayer de regarder la date de signature rapidement. Est-ce que je vais regarder la date de signature de cette correspondance? Elle avait été signée à Brazzaville éventuellement le 27 septembre 1999. Hein, je répète, le 27 septembre 1999. 99,
pour le comité mixte d'action spéciale, c'est éventuellement un général Moshi hein, qui a porté sa signature. Nous avons ce fameux général qu'on appelle le général de brigade Essongo, et puis Sassou avait éventuellement contre-signé. Bon, comment donc Sassou avait donc réalisé ses activités? Éventuellement, ce que Sassou et son système avaient appelé le plan d'activité du trimestre 4. En fait, c'est comme ça qu'ils avaient intitulé ça. Le plan d'activité du trimestre 4 de l'opération Moebara. Et la période avait été donnée, les dates ont été spécifiées. Ça partait du 1er octobre au 31 décembre 1999. Du 1er octobre au 31 décembre 1999. Ce que lui appelait le quatrième trimestre de l'opération Moebara. Donc vous imaginez, si nous étions là au quatrième trimestre, ça signifie simplement que il y a déjà eu le premier, le deuxième, le troisième, et là nous étions là au quatrième trimestre. Et il le disait carrément, zone ciblée du trimestre. Les zones ciblées de ce quatrième trimestre, il y avait le pôle nord, donc dans la région du pôle, on a ciblé le pôle nord. Pourquoi on cible le pôle nord? C'est éventuellement les zones où ce régime et ce comité mixte d'action spéciale que Sassou avait mis en place estimaient qu'il y avait une forte concentration des populations. Donc il y avait le pôle nord, la Bouenza Nord, donc ça aussi c'est une autre région du Congo. On a donc estimé par ce même système que on devait se retrouver avec une forte concentration des populations dans cette zone-là. Donc voilà pourquoi on cible cette zone. Il y avait aussi la région de la Lukumu et puis le Niari forestier, donc aussi la région du Niari. Donc on peut simplement dire ici, dans le plan d'activité du quatrième trimestre du projet Moebara, dans la période, est parti du 1er octobre au 31 décembre 1999, Sassou a ciblé quatre départements ou quatre régions du Congo. Il s'agit du Pôle Nord, la Bouenza Nord, la Lukumu et le Niari. Et éventuellement, Sassou avait même incorporé ce qu'il appelait la carte, hein, la carte tactique. Donc il avait joint des cartes tactiques de leur plan, de ce projet. Donc vous voyez que c'est une volonté manifeste, calculée, calibrée, de pouvoir exterminer les populations au sud du Congo. Les populations au sud du Congo. Donc en réalité, c'est des crimes de masse de grande envergure programmée pour simplement exterminer les populations au sud du Congo. Et ça, c'est voilà pourquoi, par ces conférences, vous pouviez déjà comprendre l'homme, hein, par les stratagèmes qu'ils ont mis. Voilà pourquoi vous comprenez que ce type ne veut pas simplement lâcher le pouvoir, hein, parce que c'est très clair qu'il a tellement commis des crimes de sang, des crimes financiers, il se dit simplement que la seule façon pour lui de s'auto-protéger, c'est éventuellement d'essayer de se paliser avec les mercenaires étrangers, acheter des armes, affamer les Congolais, mettre les Congolais sous la soumission. Et plus particulièrement, il s'agit ici des Congolais de la partie sud du Congo. Bon, donc on va vous donner en chiffres rapidement, selon les quatre régions, hein, en chiffres, qu'est-ce que Sassou et son régime avaient planifié pendant cette période-là. Bon, prenons par exemple, hein, je vais simplement faire ça rapidement. Prenons par exemple ce qu'ils ont appelé le pôle nord, donc la première zone qu'on devait dépeupler les populations, qu'on devait assurer le massacre à grande échelle des populations. Donc ce système, Sassou avait déjà bien planifié. Donc il a prévu, il a choisi les endroits, il a donné des actions qu'il fallait réaliser sur ces zones-là.
Il a donné des objectifs à atteindre, hein, selon ce qu'il pensait dans sa tête, dans ce projet de dépeuplement des populations dans les zones. Et puis, il a donné, bien sûr, le délai. Hein, quand nous sommes là dans ce quatrième trimestre, il a donné le délai, il a donné les moyens. Hein, donc, les moyens, le personnel qui devait réaliser ce travail, il a donné de la logistique nécessaire pour pouvoir réaliser ces opérations et il a donc prévu des finances pour pouvoir éventuellement que l'opération réussisse. Donc, c'est ce que nous appelons la gestion du projet. Hein, dans la gestion du projet, il y a ce que nous appelons la planification, il y a le temps de réalisation, le temps d'exécution et à l'accomplissement. Et à la fin, on essaie de regarder le bilan, si ça a été réalisé. Et bien sûr, on essaie de bâtir la réalisation du projet avec un budget hein, spécifique. Donc, on donne les outils nécessaires, les moyens nécessaires aux gens qui vont réaliser ce projet pour qu'on se rassure que le projet se construise d'une manière normale. Et bien sûr, SASSOU désignait hein, des responsables qui devaient donc assurer ces opérations dans, selon les régions précitées. Par exemple, dans le pool, les actions qu'il avait prévues, hein, il s'agit ici de pilonner, hein, donc le pilonnage, en fait simplement le pilonnage dans toute cette zone-là, dans le département de Pool, là, le Pool Nord qu'on appelle la zone de Kibouindé, hein, la zone de Kibouindé. Donc il fallait pilonner, quand on parle de pilonner ici, on va pilonner au BEM 21, on va pilonner aux hélicoptères de combat militaire, on va pilonner avec des chars de guerre, on va pilonner avec des lanceurs-roquettes, bref, tout ce que vous connaissez, hein, les spécialistes, je crois bien... les spécialistes en matière militaire comprennent bien ce langage. Quand on parle de pilonner la zone militairement, il s'agit ici de mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir détruire, créer le maximum de dégâts. Dans ce contexte ici, le maximum des gens à pilonner, il s'agit ici des civils, hein, des gens non armés, des gens qui n'ont jamais fait la guerre. Il s'agit ici de pilonner les zones où il y a des mamans. Il s'agit ici de pilonner les zones où il y a des enfants, des zones où il y a des vieillards. Il s'agit ici de pilonner les villages, chers amis. Donc, vous voyez que l'intention de l'homme est connue. Donc, il faut pilonner la zone de Kibouindé. Il faut assurer les bombardements. Il a donc prévu les bombardements dans la zone de Mayama. Hein, cette zone, je crois qu'il y a plusieurs villes qui font le tour hein, pour nous parler de cette zone de Mayama. Pilonner. Bombardement dans les zones de Mayama. Encore, quand on parle des termes de bombardement, il s'agit ici de larguer des bombes chimiques, on peut le dire comme ça, parce que les stratégies de SASSOU, c'était aussi empoisonner les eaux, hein. On tronçonnait même les arbres fruitiers. Donc, une punition, hein, simplement, pour aller toucher la moralité, puisque vous savez que la plupart des populations dans ces zones-là vivent carrément de l'agriculture, de la pêche, de la cueillette, du commerce, et puis c'est des zones où il y a beaucoup de fruits, beaucoup d'arbres fruitiers. Donc il y a ce commerce-là qui existe. Donc il faut tronçonner les arbres fruitiers, empoisonner les eaux pour que ces gens-là, quand ils vont boire de l'eau, l'eau est empoisonnée, ils vont être atteints des maladies, ainsi de suite. Bombarder avec des armes chimiques, puisque nous avons, pendant cette période-là, et c'est là où nous avons vu beaucoup des populations sortir des forêts avec des déformations, des malformations, parce que ces gens-là se nourrissaient quasiment avec un régime sans sel. Hein. Je crois qu'il y a même un musicien, malheureusement, qui est décédé, Rafa Bounzeki, a même chanté une chanson sur ça, les populations mal nourries, les malnutritions, le régime sans sel. Donc vous avez vu que ce sont les stratégies de punir la population, c'est-à-dire que de mettre les marques nécessaires pour que ceux qui verront ce que SASSOU a fait aux autres auront certainement la peur de revendiquer ou de chercher un Congo transparent, hein, ouais, chers amis. Et puis, dans les stratégies de SASSOU, comme on a dit, les plans d'action dans la zone du Pool, c'était le pilonnage dans la zone de Kibouindé, les bombardements dans les zones de Mayama, empoisonnement des ressources en eau dans les zones du Pôle Nord. Ça, c'était écrit, bien écrit dans le plan d'action. Empoisonnement des eaux. Hein, oui, chers amis. Ce que nous avons déjà pu expliquer.
Donc, ça, c'était bien inclus dans l'empoisonnement des eaux. Et ça sous-fixait des objectifs dans les documents. Les documents sont là signés. Ouais, l'homme a bâti les stratégies. Quand Dabira vous dit la façon dont nous sommes préparés, la façon dont nous sommes organisés, quand Nyana voilà vous dit nous avons souffert dans le pays, là, nous les guerriers. Bon, on ne sait pas, ils sont guerriers avec qui? Avec un peuple non armé, désarmé. Et c'est une réalité. Ça sous-donc fixer des objectifs. Dans la zone du pôle Nord, les objectifs fixés par Sassou, dépeupler le pays de Mpangala. Hein, Mpangala, c'est, on peut simplement dire, un grand district dans le département du pôle. Donc, dépeupler les populations de Mpangala, donner la mort aux personnes se trouvant dans le secteur des tirs, hein, maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur du pilonnage et de pousser à la mort lente par la famine et les maladies, poussée à l'exil forcé vers le Gabon et en RDC, terroriser les résistants de l'étranger. Et ça se donc donner, chers amis, l'appréciation, c'est-à-dire que il donnait déjà même un quota, c'est-à-dire que comme une note, hein, comme vous voyez que quand nous allons à l'école, quand vous faites bien, on dit excellent, on peut dire passable, on peut dire assez bien par rapport à la note que vous avez fait. Mais dans ce contexte ici, Sassou donnait des appréciations à ses militaires, hein, ou encore aux mercenaires étrangers qui sont venus réaliser cette mission pour lui. Et donc, Sassou le disait, si vous réussissez à tuer 25 000 Congolais du Sud dans le département du Pôle, et vous arrivez à déplacer 15 000, hein, donc à dépeupler 15 000, à les vider de leur terre, à les chasser de leur terre. C'est-à-dire que, et là, vous aurez la note passable, l'appréciation passable. Mais ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle les stratégies des nazistes. Hein, c'est ce que les nazis faisaient. Hein, ce que les nazis faisaient. C'est-à-dire que il faut terroriser la population, c'est-à-dire qu'on tue la population à petit feu. C'est comme si vous mettez dans une cage où il y a un lion, quoi, et le lion est là en train de vous dévorer, affamer les populations, hein, affamer, terroriser. Vous voyez des enfants qui naissent dans les forêts, des petits enfants entendent, hein, le bruit de ces arbres-là. Vous voyez quelle est la terreur que ça donne dans l'enfant. Les pauvres mamans, hein, les pauvres, les vieillards, ouais, chers amis. Donc, ce qui s'est passé au Congo, mes très chers amis, chers conférenciers, vous qui êtes en ligne, en train de regarder cette conférence, vous qui êtes dans la salle, c'est horrible. Mettez-vous à la place. Imaginez-vous que vous qui êtes ici au Canada, vous qui êtes aux États-Unis, hein, qu'on vient pilonner votre village, et même quand vous fouillez dans la forêt, les bombes continuent de tomber et vous avez des petits-enfants entre vos mains. Vous n'avez même pas la possibilité de boire de l'eau parce que cette eau est empoisonnée. Chers amis, c'est horrible. C'est horrible ce que nous avons subi au Congo et ce que nous continuons à subir aujourd'hui. Oui, chers amis. Donc, et l'homme l'a écrit dans ses objectifs à atteindre, ouais, chers amis, dépeupler le pays de Mpangala. Donc, il désigne un endroit là où il y a une forte concentration de population pour massacrer au maximum, donner la mort aux personnes se trouvant dans ce secteur-là par des tirs, maintenir les fugitifs dans les forêts. Ouais, chers amis, donc ceux qui fouillaient, ils doivent être maintenus dans les forêts. C'est le chaos généralisé, ouais, chers amis. Et c'est cela la réalité, chers amis. Oui. Maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur de pilonnage et de les pousser à la mort lente par la famine par les maladies. Pousser à l'exil forcé vers le Gabon en RDC. Donc, on vous pousse à l'exil forcé à l'extérieur de votre pays. Donc, vous allez dans un pays étranger comme déjà nous. Nous sommes ici dans ce pays, le Canada qui nous a ouvert, et nombreux sont aux États-Unis, en Europe, partout, qui ont eu la chance
de se sauver hein, de cette priorité mise en place par Sassou et son système. Ouais, chers amis. Et il donnait des appréciations. Ouais, chers amis. Donc, si vous tuez un nombre de 25 000 et vous réussissez à pousser 15 000 à l'exil forcé, à l'extérieur du pays, vous avez la note passable. Ouais, chers amis. Mais si vous arrivez à tuer 30 000 et pousser 20 000 à l'exil forcé, vous avez bien. Si vous arrivez à tuer 45 000 et vous arrivez à déplacer 70 000, ben ça, vous donnez la note excellente. Oui, chers amis. Et ça, c'est marqué noir sur blanc, ce que ce monsieur a fait. Et ça, se disait, notez bien, il faut brûler, hein, brûler tout jeune en âge de combattre en provenance des zones à forte résistance. Vous voyez, chers amis, ça c'est éventuellement ce que nous avons appelé ces fameux couloirs de la mort. Hein. Ceux qui arrivaient à sortir de forêt, même pendant qu'il y a eu des petites trêves, hein, les gens essayaient de sortir, là où on voyait des gens avec des visages défigurés dus à la famine, à la malnutrition, aux maladies. Et ça, il y a plusieurs bouquins hein, ont été écrits, même des spécialistes, hein, même de la Croix-Rouge, hein, dans même, je crois, un médecin qui a écrit la vérité de ce qui se passait dans ces zones de poule-là. Mais tout ça est bloqué par le système de la France-Afrique. La France que nous dénonçons, le palais de l'Élysée que nous dénonçons, c'est cruel. Et ça, c'est ça notre colère, parce que notre peuple n'a pas vraiment envie de subir ça, chers amis. Ces fameux couloirs de la mort où on triait les jeunes. Donc, tout jeune, tout enfant, quand on sentait, quel que soit ton âge, ben, on vous envoyait voyager, c'est comme ça ils appelaient ça. Voyager, ça veut dire qu'on vous passe, faire passer par un chemin où on va vous abattre. Où on violait les mamans, on violait les jeunes filles. Et la plupart des jeunes qui sortaient n'ont jamais vu le bout du tunnel. Hein. Ils ont tous été assassinés. Et ça, c'est des recommandations de Sassou. Et la période de ces opérations, éventuellement, comme on l'a dit, c'était entre mi-octobre et début novembre, selon les conditions météorologiques. Vous voyez que en absence de pluie ou la présence de pluie, imaginez les dégâts que nous avons donc eu. Bon, les moyens, Sassou a mis les moyens pour réaliser ces opérations. Et ça, nous étions dans la zone du pôle. Sassou a mis deux MiG 21 pour réaliser ces opérations, de terroriser les populations, les bombardements. Deux MiG 21, quatre hélicoptères, 112 bombes, 81 missiles, 37 lance-flammes, vous voyez même des lance-flammes étaient à l'intérieur, 12 canons de 122 mm, je crois que ceux qui sont dans les expressions militaires connaissent bien ces informations. Et ils mettaient donc la logistique aussi, 20 véhicules 4x4, 280 roquettes, 1000 menus, je ne sais pas qu'est-ce que ça voulait dire, ça c'est certainement des quantités, des cartons des munitions, peut-être 1000 cartons, je ne sais pas combien de munitions ils avaient dans chaque carton, personne ne connaît. Et donc ça, c'est, ça sous-donnait, leur donnait encore des moyens, 20 blindés étaient avec eux, 5000 grenades, plus d'un million, voilà, donc vous voyez que les armes qui étaient avec eux, le personnel, ils ont réalisé. Le personnel, bon, bien sûr, il s'agit ici des personnels élites, il avait prévu au moins 468 hommes, dans les 468, et Sassou spécifiait, il y avait 344 expatriés, donc des mercenaires venus d'ailleurs, qui réalisaient ces opérations, comme un peu, vous avez vu, Abdoulaye Miskine, le rebelle tchadien centrafricain, était là dans le pool, il a le passeport congolais, même le conseil de sécurité de l'ONU est bien informé parce que ces documents-là, ces passeports signés par Zéphirin Mboulou, qui est le ministre de l'Intérieur de Sassou Nguesso, c'est lui qui est le signataire de ce passeport de service. Vous voyez? Donc, Koutamandji Martin était dans le pool pour, ou dans la Bounza pour saccager, et puis, tous ces Rwandais qui fouillaient le génocide au Rwanda, que Sassou a reçu, ont aussi joué un rôle très important dans les massacres des projets Moïbara
Augustin Bizimana a été, tout le monde le sait, il est décédé à Pointe-Noire, il était entre les mains de Sassou. Vous avez Sassou en 2017. Donc, ce sont des responsables militaires rwandais qui ont participé au génocide du Rwanda. Ils ont été reçus chez nous et Sassou les a utilisés avec ces mêmes techniques qu'ils ont réalisées pour dérouler la machine du génocide du Rwanda. L'expérience que ces gens-là avaient, le personnel, il les a donc récupérés pour faire ces opérations. Vous voyez, ces gens-là nous ont abattus comme du bétail. Nous étions simplement des hommes qui n'avaient aucune valeur. Vous voyez, donc, c'est cela que nous sommes en train d'expliquer ici. C'est l'annonce de la mort d'Augustin Bizimana, accusé d'être l'un des principaux instigateurs du génocide des Tutsis au Rwanda. Il était ministre de la Défense au moment des faits, en 1994. Ce matin, c'est le mécanisme de l'AE, l'organe qui a pris la suite du Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a annoncé son décès, une mort qui remonterait à l'an 2000. Les précisions de Stéphanie Maupa. Le décès de l'ancien ministre de la Défense a été confirmé grâce à des analyses ADN. Le mécanisme de l'AE a annoncé que des prélèvements ont été effectués dans une tombe de Pointe-Noire avant d'être analysés par l'Institut médico-légal des Pays-Bas. L'ancien ministre serait décédé en août 2000. Augustin Bizimana aurait dû répondre de 13 chefs d'accusation pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il était aussi inculpé pour l'assassinat de l'ancienne première ministre Agathe Uwilingiyimana aux premières heures du génocide alors que les extrémistes ont tout traqué, les modérés. Il aurait aussi dû répondre de sa participation présumée dans l'assassinat des casques bleus belges à Kigali, mais avec l'annonce de sa mort, le dossier est désormais refermé. Après l'arrestation de Félicien Kabuga la semaine dernière et la confirmation du décès de l'ex-ministre de la Défense aujourd'hui, la liste des fugitifs se réduit. Protem Piranha figure désormais en tête de liste. L'ancien chef de la garde présidentielle a souvent été repéré dans des pays du sud du continent africain. En novembre dernier, le procureur Serge Bramers avait d'ailleurs reproché à l'Afrique du Sud de ne pas coopérer avec son bureau. Stéphanie Mopala et RFI. Et des réactions déjà ce midi, celle d'Étienne Sanzimana, le président d'Ibuka France, qui dit sa déception qu'Augustin Bizimana soit parti sans livrer ses secrets. Idem pour Alain Gauthier, fondateur du collectif des partis civils pour le Rwanda, qui rappelle que le plus grand souhait des rescapés, c'est que les tueurs soient jugés. Donc il y avait des personnels étrangers, comme d'habitude, c'est qu'ils ont le faire. Et puis bon, les moyens financiers, ça sous-parlait en ce qui concerne les dépenses liées au carburant, ils mettent en place 108 millions internement, donc sur les internements, certainement le logement et tout cela est inclus, ils mettent en place 160 millions de francs CFA, prestations, voilà, donc prestations, est-ce que ça c'est lié à... au service que les mercenaires étrangers sont venus faire au Congo, les rebelles sont venus faire depuis l'étranger pour massacrer le peuple congolais, ceux-là pour leurs prestations, et bien sûr avec tous ces Ukrainiens qui pilotaient ces hélicoptères de combat, bon, ceux-là, éventuellement, la prestation a coûté 646 millions de francs CFA. Bon, vous savez que dans chaque projet, il y a toujours ce que nous appelons les aléas du projet, donc on ajoute un peu des fonds, ce qu'il a appelé les imprévus. Il mettait donc 98 millions là-dedans, pour un total de 1 016 millions, donc quasiment un milliard de francs CFA. Donc là, on avait des budgets. Le responsable de cette opération pour l'extermination de la population de l'Opoul, éventuellement, c'était le général de brigade, Blaise Adoua, qui l'a fini par assassiner, ce Blaise Adoua. Il a assassiné parce que ces messieurs-là connaissaient la vérité. Un jour, ces gens-là devaient sortir cette vérité. Un jour, ces gens-là devaient être là à témoigner. Mais Sassou, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie d'effacer toutes les traces nécessaires pour tous ces crimes. Donc, ceux qui connaissent la vérité, il finit toujours par les exécuter. Nsuru a été exécuté. Adoua a été exécuté, le général Avoukou a été exécuté, vous voyez, chers amis. Donc, c'est comme ça que l'on procède. Là, pour l'extermination des populations dans le pôle nord, c'est le général Blaise Adoua qui était responsable. Bon, dans les observations, ça se disait, il faut pilonner, bombarder les lieux en forte concentration, comme nous venons de le dire, et ça, sous lui-même encore, a spécifié.
il faut aller bombarder, pilonner dans les zones de forte concentration humaine. Donc, il précisait, hein, il fallait bombarder les marchés, il fallait bombarder les églises, il fallait bombarder les écoles, il fallait bombarder les terrains de football, les terrains de sport, bref, là où potentiellement les gens pouvaient se retrouver. Il fallait bombarder tout ça. Voilà, donc, utiliser les signaux extérieurs des ONG humanitaires pour attirer les foules et les faire tirer par nos troupes. Hein. Donc, éventuellement, comme nous avons déjà l'habitude de vous dire, Sassou a habillé hein, ces véhicules avec des logos de la Croix-Rouge ou de Oxfam. Vous voyez, chers amis, vous comprenez que les organisations à but non lucratif qui ont tendance à aider la Croix-Rouge, et ainsi de suite. Donc, les gens pouvaient penser que c'était la Croix-Rouge qui était là pour aider les populations. Et donc, quand les populations sortaient, on se mettait à les oublier. Et donc là, c'est le bilan dans la zone Pôle Nord. On va donc aller regarder une autre zone. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Dans la zone de la Bouenza Nord. Encore là encore, Sassou, les actions à mener, c'est le bombardement de la zone de Mouyonzi. Mouyonzi, c'est un grand district. Hein, de Mouyonzi, c'est une très vaste zone dans le département de la Bouenza. Donc, Mouyonzi a 4 districts. Et donc, c'est des zones de forte concentration des populations. Donc, Mouyonzi, par exemple, Mouyonzi lui-même, Yakingwe, il y a Ntiaki, il y a Mabomo. Donc vous voyez que ce sont des grands centres, ces grands districts où il y a une forte concentration des populations à l'intérieur. Donc Sassou, dans les actions à mener, Sassou demandait qu'on puisse bombarder la zone de Mouyonzi, bombarder la zone de Mabomo. Donc Mabomo, c'est aussi une zone de forte concentration puisque Mabomo a une connexion même vers la région de la Lekoumou. Donc c'est ce qu'il fallait faire. Les objectifs à atteindre. Dépeupler hein, les plateaux Babembe, hein, c'est comme ça qu'il appelait, dépeupler les plateaux Babembe, donner la mort aux personnes se trouvant dans la zone de bombardement, maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur des bombardements et leur causer la mort à petit feu. Ça sont les recommandations de Sassou. Donc, les stratagèmes nazistes, hein, avec une intention manifeste de tuer, l'objectif c'est ça. Et donc Sassou continuait, pousser à l'exil, forcer vers le Gabon, terroriser les résistants de l'étranger. Donc il leur disait quasiment la même norme que ce qui se passait au Pôle Nord. Voyez, chers amis. Et toujours la même période, au mois de novembre jusqu'à décembre, le trimestre 4. Sassou donnait les moyens matériels pour réaliser cette opération dans la région de la Bouenza. Il donnait 2021 4 hélicoptères, 22 blindés, 21 véhicules 4x4, 120 bombes, 109 missiles, 300 roquettes, 23 lance-feu, ouais, lance-flammes, et puis 1 million de munitions et tout ça, 1 million et quelques munitions. Bon, voilà, ce sont les moyens hein, matériels que Sassou a préparé pour réaliser cette opération de dépeuplement, de massacre des populations dans la Bouenza, comme déjà que ça fut dans le Pôle Nord. Et dans la Bouenza Nord, le personnel, oui, Sassou avait préparé 524 de ses agents. Et dans les 524, il y avait 446 expatriés, donc des gens venus d'ailleurs pour réaliser cette opération. Là encore, il y avait les coûts financiers qu'il avait prévus pour réaliser ces opérations. Certains projets, le projet exige les finances pour pouvoir les réaliser. Et donc, c'est ce qui a été réalisé. Il a donc pompé des moyens là-dedans. 150 millions de fonds CFA pour le carburant. Pour les hébergements de tous ces mercenaires, il avait prévu 168 millions. La prestation des mercenaires, sur, vous voyez qu'il y a eu 446 mercenaires, donc la prestation pour le travail que ces mercenaires-là devaient faire, c'est 699 millions de francs CFA. Et les imprévus,
c'était une affaire autour de 106 millions de francs CFA. Donc un total, hein, on peut simplement dire pour le budget pour dépeupler les gens dans la Bouenza Nord, il fallait donc 1123 millions, donc 1 milliard 100 et quelques millions, quoi, hein, chers amis, pour faire ça. Et le responsable militaire, Mossi, pour réaliser cette opération dans la Bouenza Nord, il s'agissait du général de brigade Longonda Philippe, le général de brigade Longonda Philippe. C'est lui qui était le responsable pour se rassurer que ces choses-là puissent se passer. Je ne sais pas si Longonda Philippe est toujours en vie. Ça, il faut encore que les Congolais nous informent là-dessus. Est-ce que ce général de brigade Longonda Philippe est toujours en vie? S'il est toujours en vie, voilà les hommes d'intérêt. S'il vit en Europe, voilà les hommes d'intérêt, les génocidaires, qu'il faut arrêter à l'instant, interroger, prendre toutes les informations nécessaires avant que Sassou ne puisse les liquider, comme déjà il a liquidé le général Adoua, le général Avoukou, le général Motando, et voilà, et Nsourou, ainsi de suite, le colonel Nsourou. Encore, les observations pour Sassou, dans la zone de la Bouenza Nord, il s'agissait de bombarder les marchés de Muyonzi. Vous voyez que le marché de Muyonzi, c'est là où quasiment tout le monde vient vendre. Hein. Ceux qui reviennent du fin fond des villages, ceux qui reviennent de partout, viennent donc vendre même là au marché de Muyonzi. C'est un grand centre, un grand marché. Donc Sassou a recommandé qu'il fallait bombarder le marché de Muyonzi. Et ça s'appelle le marché centre, de bombarder l'hôpital de Makala. Vous voyez que même les hôpitaux ont été bombardés. C'est incroyable, hein, chers amis. Vous voyez l'intention? Bombarder même les hôpitaux. Donc, bombarder l'hôpital de Makala. Bombarder l'hôpital de Makala. Les champs, hein, de bombarder même les champs, le village de Luboto, proche du barrage de Moukoukoulou. Donc l'homme avait même l'intention de bombarder même le barrage, simplement. Donc il demande de bombarder le barrage parce que pour Sassou, certainement, comme on sait que le barrage est une infrastructure, les gens n'auront pas tendance à aller toucher à l'infrastructure comme le barrage. Donc les populations peuvent se concentrer autour là pour se protéger. Mais Sassou donne les recommandations pour aller donc bombarder même le village qui se retrouve non loin du barrage de Moukoukoulou, qu'on appelle le village Luboto. Préparer une action médiatique avant, pendant et après les raids. Voir avec Jean-Paul Pigas. Voilà, le nom de Jean-Paul Pigas est sorti pour préparer, pour mener ces opérations-là, hein, pour coordonner la communication du point de vue médiatique, même extérieur. Le mensonge que nous entendons dans les médias de la France-Afrique vient par exemple des gens comme Jean-Paul Pigas, puisque son nom a été cité par Sassou Nguesso. C'est l'homme de main de Sassou, il a toujours travaillé avec Sassou. Et ça, Jean-Paul Pigas, c'est un Français, c'est un blanc. Alors, c'est ça qui est la réalité. Donc, c'est des gens qui participent dans des complots pour massacrer les Noirs pour des motifs d'argent. Donc, voilà un homme d'intérêt. Jean-Paul Pigas, c'est un homme d'intérêt qu'il faut que éventuellement la communauté internationale, Jean-Paul Pigas est un homme d'intérêt, éventuellement que la communauté internationale, les autres pays, hein, les États-Unis, le Canada, doivent savoir que c'est un homme d'intérêt qui connaît éventuellement ce qui s'était passé, hein, les opérations de Moïbara. Jean-Paul Pigas est très informé, l'homme d'intérêt, qu'il faut interroger pour savoir la vérité. Et éventuellement, la troisième zone, c'est la zone de la Lukumu et Niari Forestier. Lukumu et Niari Forestier. Dans la zone de la Lukumu, éventuellement, là encore, les actions à mener, c'était bombarder la zone de Sibiti et Zanaga. Sibiti, c'est le chef-lieu de la région de la Lukumu. Zanaga, c'est là où il y a le ferme de Zanaga. Donc, les populations peuvent se cacher là-bas. Non loin du ferme, sachant que c'est une ressource pour le pays. Les gens auront tendance à aller se casser là-bas parce que peut-être que les populations se diront que Sassou ne peut pas les toucher quand même là où il y a le fer. Donc Sassou sait, il faut donc aller là-bas, bombarder. Donc ça faisait partie des actions à mener. Bombarder la zone de Sibiti. À Sibiti, il y a même des témoignages, des gens qui nous confirmaient que
Ils ont vu des hélicoptères de la Croix-Rouge venir, des véhicules de la Croix-Rouge avec le logo de la Croix-Rouge. Et quand les gens partaient, on mitraillait les populations. C'est incroyable, Chazan. Et ça, c'est Sassou l'a dit dans les observations. Il faut donc utiliser les insignes des organisations humanitaires pour attirer les populations et donc mener ces plans, son projet de déstabiliser la population. Dans la Lukumu encore, et le Niari forestier, il fallait bombarder la zone de Mosenjo et Mayoko. Là encore, Mosenjo, c'est un grand district, vous voyez, chers amis. Hein? Dans toute cette zone, ce que nous appelons la Nyanga, l'OEC, Mosenjo, c'est un grand centre. Donc, beaucoup de populations auront toujours tendance, ceux qui ont fui les grandes villes comme Dorisi, Pointe-Noire, vont chercher à aller se cacher vers Mosenjo. Donc, il fallait bombarder ces zones-là. La zone de Mayoko, éventuellement Mayoko, avait aussi, il y a aussi un fer, il y a le minerai de fer là-bas. Donc, les gens vont toujours aller se cacher là où il y a des infrastructures, là où il y a des zones de ressources naturelles, tout en ayant dans la tête qu'on ne peut pas venir quand même s'attaquer là où il y a des ressources naturelles, mais les manigances sadiques de Sassou fait qu'il veut vouloir aller toucher même les zones de minerai. Donc, exterminer la population au maximum. Les objectifs atteints pour la Lukumu et le Niari forestier, dépeupler le Niari forestier et la Lukumu, donc là encore il fallait dépeupler les populations, donner la mort aux personnes se trouvant dans les zones de bombardement, maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur des bombardements et de leur causer la mort à petit feu. Donc vous voyez que l'homme vous tue à petit feu. Vous êtes souffrant, vous avez des blessures, vous n'avez nulle part où aller. Et donc, vous êtes rongé par la douleur, chers amis. Quand je vous parle, j'ai même la chair de poule, chers conférenciers. C'est incroyable. Pourquoi nous faisons ce travail? C'est pour alerter, parce qu'il veut encore tupatouiller notre élection. Et donc, nous allons revenir aux mêmes situations. Et ça, nous devons éviter ça. Voilà, donc, donner la mort à petit feu. Pousser à l'exil vers le Gabon, incendier le village natal, de l'Issouba. Même norme que le numéro 1, même norme que ce qui s'est passé dans le pôle. Donc, il a même recommandé de brûler, d'incendier le village du professeur Pascal Issouba, donc le président qui était démocratiquement élu. Donc ça, c'est une réalité. C'est quelle haine là de vouloir brûler même le village du professeur Pascal Issouba. Le professeur Pascal Issouba, alors que Issouba n'était plus en fonction. C'est lui qui a pris le pouvoir par les biais des armes. Il règne comme le maître absolu, mais il prend quand même la peine de voir encore ses miliciens, les rebelles, ceux que nous appelons les expatriés, pour incendier, brûler le village du président Pascal Issouba. Donc c'est une réalité, chers amis. Nous ne venons pas ici pour s'amuser, mais nous vivons l'enfer au Congo, et c'est une réalité, et ça continue. Et là, nous étions là, au quatrième trimestre de l'année 1999. Ouais, chers amis. Encore, la période, c'est toujours entre mi-octobre et jusqu'en décembre. Le moyen matériel qu'il avait donné à ses troupes, c'est éventuellement 2021, 4 hélicoptères, 13 blindés, 14 véhicules 4x4, 115 bombes, 98 missiles, 271 roquettes, 14 lance-flammes, plus d'un million plus d'un million et quelques de boîtes de munitions. Voilà le travail que Sassou a réalisé. Et là encore, Sassou a donné le matériel, le personnel. 415 hommes militaires en troupes. Dans les 415, il y avait 346 expatriés et donc 79 locaux. C'est eux qui ont réalisé cette opération. Et là encore, il y avait un budget financier. Il avait mis en place 140 millions de francs CFA pour le carburant, 138 millions de francs CFA pour l'hébergement de ses agents. La prestation pour éventuellement ses mercenaires, c'était 662 millions de francs CFA. Les imprévus, il avait mis en place 95 millions, donc soit un total
de 1,35 millions de francs CFA, donc quasiment 1 milliard et 35 millions, un truc pareil, qu'il avait mis en place. Et le responsable en charge pour le dépeuplement, le massacre des populations dans la Lukumu et le Nyari forestier, c'était le général de brigade Essongo B. Hein, B, là, je ne connais pas son prénom. Essongo, hein, c'est lui qui était le responsable, le général de brigade Essongo B. B, je ne sais pas, est-ce que c'est Blaise, est-ce que c'est Boris, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le général de brigade Essongo. Essongo est toujours en vie. Est-ce que le général de brigade Essongo est toujours en vie? Nous ne savons pas. Mais voilà l'homme d'intérêt qu'il faut appréhender quand il voyage à l'extérieur, le mettre en prison, l'enlever l'humilité, parce que ça, c'est comme ça qu'il fait voyager les criminels. Ils voyagent parfois avec des identités différentes. Ils ont l'humilité diplomatique, hein, cette unité qui protège tous les crimes de Sassou et tous les crimes des gens qui sont tout autour de lui. Encore, les observations pour Sassou, c'était bombarder les marchés de Mossengo Centre, l'hôpital de Makabana, les champs et les alentours de Minda. Vous voyez, chers amis, donc il demandait de bombarder même l'hôpital de Makabana, parce que Makabana, c'était un grand centre à l'époque de Comilog, donc certainement il y avait quand même un petit dispensaire là-bas. On pouvait considérer que l'hôpital de Makabana, c'était un peu le dispensaire qui tenait un peu pour pouvoir aider les gens de point de vue santé. Donc il fallait aller toucher à cet hôpital-là pour ramener la souffrance au niveau du peuple. Voilà, donc préparer une action médiatique avant, pendant et après le raid, voire avec Jean-Paul Picasso. Voilà l'homme d'intérêt, comme nous venons de le dire. Et si vous essayez de regarder les coûts de ces opérations, hein, réalisées par Sassou, pour le quatrième trimestre, il avait prévu, selon ses normes, hein, il avait prévu pour cette opération, pour le trimestre 4, il avait prévu de tuer 125 000 Congolais criés. Ils ont crié donc des fugitifs, hein, donc des hommes à rechercher ceux qu'on a chassés sur leur terre, 275 000. Le départ en exil, hein, le départ en exil, 40 000. Donc, soit un total de dépeuplement de 430 000. Congolais. Et ce sont les 430 000 Congolais que nous avons présenté, parlé, quand nous avons présenté le projet Mouébara. Si vous essayez de regarder les coûts liés à l'opération pour cette période, de octobre jusqu'à décembre 1999, c'était un total quasiment de 3 milliards 174 millions de francs CFA qu'il a mis en place. Et donc, et ça c'est une réalité, chers amis, hein, chers amis. Nous sommes dans une situation difficile au Congo, et nous tenons à dire à tous les amis qui nous suivent dans cette lutte de la libération du Congo, nous sommes devant un fait accomplir. Il faut forcément trouver des mécanismes qui vont nous permettre de mettre terme à ces massacres de grande échelle. Nous savons que quand il a tripatouillé l'élection en 2016, il a emprisonné pas mal de compatriotes. Bien sûr, après il est allé faire encore un génocide à huis clos. Là encore, ce génocide à huis clos est resté dans le silence absolu. On a veto ces informations sur les médias internationaux, qu'il s'agit des médias de la France-Afrique, parce qu'il y a un homme d'intérêt qui est là, et Jean-Paul Picasso, qu'on a cité dans ce document. Est-ce que c'est lui qui fait ce travail pour pouvoir museler l'information pour que la communauté internationale ne soit pas informée? Nous ne savons pas. Mais néanmoins, nous sommes devant un fait accompli, alors que toutes les informations qui se passent au Congo-Brazzaville, en ce qui concerne le génocide au Congo, les massacres de population, le dépeuplement, toutes ces informations sont totalement filtrées. Donc,
on le dit d'une manière claire, qu'il y a bien eu un génocide dans le pôle. Là encore, il l'a fait récemment, et pas très longtemps, après les élections de 2016. Il a d'abord encore massacré le Congolais, avant ça, avec un référendum inconstitutionnel. Nous savons qu'il est venu avec la constitution criminogène, avec les articles 10 et 96, qui lui permet d'être au sommet du crime au Congo. Il s'agit des crimes de sang, des crimes économiques. Cet homme s'est balancé dans une constitution criminogène pour continuer à massacrer les Congolais. Il est parti dans le pool, il est parti faire la provocation, ce qu'il appelait le goût de sang. Il est reparti après avoir fraudé l'élection en 2016. Pendant 2 ans encore, il a tué les gens dans le pool, il a commis le génocide, il a tronçonné les arbres fruitiers. La continuité de ce projet Mouébara dont nous sommes en train de parler. Vous voyez que ça a commencé depuis très longtemps, depuis l'arrivée de Sassou Nguesso, de son coup d'état de 1997. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans la continuité des opérations Mouébara, de mettre le sud du Congo sous la soumission, la colonisation intérieure. Et tout ceci est en train de se réaliser aux yeux de la communauté internationale. Nous osons croire que par ces conférences que nous sommes en train de faire, excusez-moi, aujourd'hui, ou les conférences qu'on a fait avant, le monde, cette fois-ci, va tourner leurs yeux, ou le monde va tourner les yeux vers les populations du Congo, puisqu'il veut vouloir organiser une autre élection le 21 mars 2021, date à laquelle il avait assassiné le cardinal Emile Bienda, le 21 mars 1977. Donc là, il est encore prêt à vouloir organiser une élection avec un pays dont il a emmené à la banqueroute, le chaos économique, zéro résultat, il veut faire un passage en force. Alors que les populations du Sud se sont mises dans ce que nous appelons le concept de l'unité du Sud pour protéger les populations dans le contexte humanitaire, de protéger les populations, de protéger les terres, de protéger les ressources naturelles. Qui représente aujourd'hui le malheur du Sud. Oui, chers amis. Donc, au Sud, c'est clair, les gens ont dit qu'ils n'iront jamais voter. Ils ne veulent pas des élections de Sassou Nguesso. L'autorité de Sassou a été bannie au Sud du Congo depuis le 21 décembre 2020. Et le Sud se prépare à s'autoprotéger, à se défendre, même avec les lance-pierres, avec les pierres, avec tout ce que nous avons, avec les saguets, avec tout ce que nous avons, face à un criminel qui s'est préparé pour briser le Sud du Congo. Encore, nous demandons à la communauté internationale qu'il s'agit ici de sauvegarder les populations du Sud. Il ne s'agit pas ici de sauvegarder un homme, un clan qui s'est lourdement enrichi au détriment du peuple. Nous avons besoin de vous. Aidez-nous à mettre terme au pouvoir d'un criminel, d'un despote au Sud du Congo et soutenir les populations du Sud dans leur projet de l'unité du Sud, un projet purement humanitaire pour protéger les populations, les terres et les ressources naturelles du Sud. Merci d'avoir participé à cette conférence. J'ai essayé de le cadrer maximum 1 heure comme ça a été, le temps m'a été donné. Et donc, merci à vous qui êtes à la maison. Merci à vous qui êtes dans toutes les capitales du monde entier en train d'assister à cette conférence en ce qui regarde l'Afrique, les problématiques des populations et surtout cette zone d'intérêt qui est l'Afrique centrale avec des dictatures féroces. Merci à vous qui nous soutenez et encore pour l'opportunité que vous nous donnez pour pouvoir réaliser cette conférence. Merci et à la prochaine. On peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur.
Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique, où les dirigeants se sont permis de mépriser sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous, vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier... vous me rappelez des bonnes choses. J'avais déjà aussi fait
pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais été fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne inquiète de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui? En 2016. Franck. 2000. En 2016. 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche à chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci. J'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée, n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, Nyangambola était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon, écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola au président? Vous l'avez fait? Je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ouais. Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... Des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État? Qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dans... Vous le lui avez dit quand? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi, je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. En avril, peut-être qu'en avril, mai. Hein? Peut-être qu'en avril, mai, avant que, aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Mm-hmm. Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que vous faites ce qui s'est passé réellement. Je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambola. Qui s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Tsimboala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Tsimboala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Tsimboala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.